Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis chef de projet chez Stardust et je vais vous parler des objets connectés et de la nécessité de les tester avant de les mettre sur le marché. Le test d'un objet connecté n'est pas un test comme les autres. Il est complexe, à la fois dans sa mise en place et dans sa mise en œuvre. Selon nos expériences, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil est de tester un IoT sur un grand nombre de terminaux. Le succès commercial d'un IoT est lié à sa capacité à être compatible avec un grand nombre de devices, smartphones et tablettes. D'où l'importance de le tester sur énormément de terminaux. Multimarques, avec des OS différents, Android, iOS, et des versions d'OS minimales et maximales. Le deuxième conseil pour bien tester un IoT est de tester l'ensemble des fonctionnalités de l'objet lui-même et de vérifier le comportement de l'application en interaction avec celui-ci. Le test UX est également nécessaire dans les tests car il permet de bien comprendre comment les utilisateurs perçoivent l'objet et l'application. Le troisième conseil concerne la connectivité. Il est important d'observer comment se maintient la connexion du software vers l'objet et inversement. La clé de tout IoT est aussi sa capacité à se connecter à d'autres appareils, via un réseau local, en Bluetooth ou en Wi-Fi. L'appairage de l'objet via Bluetooth, qui est le plus commun aujourd'hui dans les tests, est le point sensible du test. Pour conclure, n'hésitez pas à nous confier vos objets connectés, on vous attend chez Stardust.